Bonjour, vous êtes en direct avec Paton Jean qui va vous montrer comment se passe une séance d'enregistrement. Aujourd'hui, le Moujik et l'esprit des eaux de Léon Tolstoï. Une petite histoire très courte, mais pas dénuée d'intérêt. Vous allez voir. Un Moujik laissa tomber sa hache dans la rivière et, de chagrin, se mit à pleurer. L'esprit des eaux, entendant ses pleurs, eut pitié de lui et lui apporta une hache en or. Et lui demanda « Cette hache est-elle à toi ?» Le Moujik répondit « Non, ce n'est pas à moi. » L'esprit des eaux lui apporta une hache en argent. « Ce n'est pas ma hache ?» dit de nouveau le Moujik. Alors l'esprit des eaux lui rapporta sa propre hache. Et le Moujik s'écria « Ah, la voilà !» Pour le récompenser de sa franchise, l'esprit des eaux lui fit présent des trois haches. De retour à la maison, le Moujik montra ce cadeau et conta son aventure à ses camarades. Un des Moujiks eut l'idée de faire comme lui. Il alla au bord de l'eau, laissa tomber sa hache et se mit à pleurer. L'esprit des eaux lui présenta une hache en or et lui demanda « Est-ce là ta hache ?» Le Moujik, tout heureux, s'écria « Oui, oui, c'est bien la mienne !» L'esprit des eaux ne lui donna ni la hache en or ni la sienne, pour le punir de l'avoir trompé. C'était « Le Moujik et l'esprit des eaux » de Léon Tolstoï, lu par Paton Jean.